Salut gars, alors là il est 5h du matin, je suis dans mon patelin, j'ai pas très bien dormi. Voilà, il est 5h, j'ai peut-être dormi 1h, 1h30 à tout péter. Aujourd'hui, on a un gros planning de prévu, hein. Il faut déjà que j'aille voir Lucas TV, c'est d'ailleurs pour ça que j'y vais, et pour acheter quelque chose que je vous montrerai plus tard par la suite sur la chaîne. Voilà, je vous dis à bientôt et puis on se retrouve à la Japan Expo. Salut! Il arrive, il commence à parler français. Elle a dit elle a des objets de sécurité, enfin des objets à vérifier, elle sait pas si elle passe en sécurité ou pas. Salut! Je m'amuse. 500 000 places. Oh, ça va! Et ça continue d'arriver en plus. En fait, dans cette conférence, on a pu voir un gameplay du nouveau Final Fantasy XV qui sort le 30 septembre. On nous a fait aussi un résumé des deux premiers épisodes de la saga en animé et des images exclusives de l'épisode 3. Et surtout, les 10 premières minutes du film King's Lave, et c'était vraiment génial. Je vous en montre pas plus parce qu'un strike est si vite arrivé. Qui a été présenté en 2013, inspiré de Venise. Ça vous montre à quel point encore Final Fantasy XV est massif et grand et... Et beau. Très très beau. Alors on se baladait à la Japan Expo, et du coup on a trouvé le petit Marcus là dans la Team Game One, ça fait super plaisir. Bon, j'irai pas le voir parce qu'il y a quand même du monde. Hein. Ouais, je suis un gros stalker en fait. Voilà, bon, en tout cas il y a Marcus, voilà, je l'ai vu dans ma vie, je peux dire j'ai réussi ma vie. Ah, voilà. Comment se blédarde. Bah mon pyjama c'est un truc Zelda donc ça aurait pas été très choquant. Ah, du coup ma communauté va savoir que... Ton pyjama c'est un truc Zelda. Ouais, voilà. Voilà la petite chambre et the best to be. Faut pas l'oublier quand même. Ah non, non, ça... Tu dégages. J'ai mis mes affaires, c'est mon lit. Vas-y, bouge de là. Non, dégage, c'est mon lit, on a dit. On verra ça plus tard. Ah, c'est pas blague. Ouais, bah ouais, je vais mettre une TLS pour une fille. Bah ouais, j'avoue, ça je vais pas le mettre, tu vois. Une fille de 55 kilos, hein. Juste de 55 kilos, en plus. Non, elle fait moins. Le gros, s'il te plaît. Oh, désolé. Donc voilà, cette belle figure. Attends, je te montre pas. Bah non, je vais gâcher ton plan. Cette belle figure. Ouais, sinon je devrais refaire la séquence. Cette belle figurine. Mais putain, mais casse-toi. Ok, les gars, deuxième jour. J'ai acheté pas mal de choses. Là, il y a pas mal de monde aussi. J'ai pas pu filmer énormément ce matin parce que j'ai eu un problème de mémoire et c'est très chiant. Par contre, là, j'ai acheté pas mal de choses. Je sais pas si vous m'entendez fort, du coup je rajouterai le volume ou je mettrai les sous-titres. Et quoi qu'il en soit, j'ai un bon petit sac et là je sais pas trop quoi faire. En fait j'avais prévu d'aller voir Lucas TV et Chef Otaku, mais dès le matin où je suis arrivé c'était déjà full. Du coup je sais pas trop quoi faire après ça. Thank you.
Et pour la fin de ces deux jours de la Japan Expo, j'ai enfin réussi à avoir ma photo avec Lucas TV. Bon, je vous avoue que j'ai pas filmé parce que j'étais beaucoup trop stressé. Mais en soi, je suis content d'avoir pris la photo. J'ai eu le temps de lui parler 5-10 minutes à peu près. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter sur ce petit vlog. Donc oui, j'ai eu un problème avec la mémoire du téléphone. Du coup, j'ai pas pu filmer énormément de choses. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo parce que là, il y en a encore deux de vidéos à propos de la Japan Expo qui devraient sortir incessamment sous peu. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et puis bah, je vous dis à bientôt. Tchuss.